Je suis devenu historien, ethnographe un tout petit peu par hasard ou par défaut. Je veux y arriver, mais c'est certainement aussi ce que je viens de dire lié à toute la manière comment gérer mes morts, ma vie et ma carrière, c'est-à-dire comme une série de hasards, de possibilités qui arrivaient. Certains, je les saisissais, d'autres, je ne les saisissais pas. Il n'y a pas d'ordre autre que ça, même s'il y a probablement plus d'ordre, d'une certaine manière, dans la vie professionnelle. Donc, je suis né en 1942, dans une ville qui, au moment de ma naissance, était sous l'occupation allemande, était une ville lituanienne, mais pas reconnue, évidemment, puisque c'était le gouvernement qui collaborait avec les Allemands. Bref, je suis né à Vilnius, donc, qui était, avant la guerre, une ville polonaise, qui a cessé de l'être après 1945 avec le déplacement des frontières. Une ville en soi passionnante, mais dont je n'ai absolument aucun souvenir, puisque c'était une ville extrêmement cosmopolite, avec toutes les religions possibles et imaginables qui étaient là, des populations de l'ensemble de la région, des Juifs, des Allemands, des Polonais, des Lituaniens, des Biélorusses, d'Ukrainiens, des Russes, etc. Vraiment une sorte de melting pot, comme était ce territoire qui était entre la Pologne, la Russie, et vers le sud, la Hongrie, la Roumanie, où pendant des siècles, les gens ont bougé, se déplaçaient, étaient relocalisés. Donc à la fois une histoire extrêmement violente pendant des siècles, mais aussi une longue histoire, une sorte de cohabitation, parfois forcée, parfois volontaire, et évidemment, la guerre et la fin de la guerre avec l'occupation soviétique ont d'une certaine manière aplati tout ça. Les Juifs ont été exterminés, les Polonais sont partis vers la Pologne, appelons-la ethnique, même s'il faut mettre plusieurs guillemets entre la Pologne ethnique. Après 1945, elle n'était pas si uniformément polonais ethnique, comme on le disait à l'époque communiste. En tout cas, bref, j'en parle parce que ces régions-là, Vilnius, mais une autre ville ukrainienne, Lvov, Lviv, selon qu'on l'appelle, c'était la même chose. C'était de ces territoires, d'une sorte de bouillonnement des différentes cultures, des rencontres, des conflits, qui ont été ensuite réduits à une platitude et donc où on a vu tout ce qu'on perd quand on supprime la diversité. C'est-à-dire qu'on impose une sorte de calme plat, contrôlé par un État totalitaire, mais où, à la fois, sur tout ce qui est la richesse de la vie humaine, la culture, on enlève tout, certes. D'une certaine manière, on remplace la violence des conflits entre les groupes et l'individu par la violence étatique. Mais je ne suis pas convaincu quand on y gagne à la fin. Donc voilà, cette parenthèse fermée. Donc je suis né, j'étais l'enfant unique. Certainement né par hasard. À l'époque, il n'y avait pas de contraception parce qu'avoir un enfant en 1942 dans ce territoire nouvellement conquis par l'Allemagne et bientôt après Stalingrad avec l'avancée du front russe, c'était certainement pas une bonne idée de la part de mes parents. Ils n'avaient pas le choix. Ma mère était infirmière et mon père. Mais pendant la guerre, il était gardien des nuits, mais il a commencé une carrière universitaire
il devait travailler sur la Turquie, puisque à Vilnius, il y avait tout un centre orientaliste. D'ailleurs, c'était une longue tradition dans les universités polonaises de travailler sur l'Orient, ce qu'on appelait l'Orient à l'époque, ce qui évidemment a totalement changé après la guerre. Donc, ensuite, évidemment, peut-être avant la suite, j'ai aucun souvenir des petite enfance à Vilnius. Les selles, mais c'est un souvenir par procuration. Ma mère m'a raconté comment on plaçait une table dans l'embrasure des portes, une table solide, et comment elle me cachait sous la table lors des bombardements, puisque ça était censé être plus solide qu'ailleurs si les murs et les plafonds s'effondraient. Mais dit, je suis absolument certain, c'est par procuration, c'est pas du tout un souvenir direct. Donc, comme tous ceux qui sont déclarés polonais à la fin de la guerre en 1945, mes parents étaient rapatriés vers les centres de la Pologne, ils se sont arrêtés à Lodz, parce que c'était à peu près la seule grande ville polonaise qui était relativement épargnée par les bombardements. D'une part, parce qu'il y avait une importante population allemande, parce que c'était un grand centre de l'industrie textile créé au 19e, était en ce moment-là en marge de l'Empire russe, dans les territoires de ce qui était la principauté de Pologne. Et on a fait venir beaucoup d'ouvriers, des techniciens allemands pour développer l'industrie textile. Et donc, plusieurs sont restés, on fait racine là. Plusieurs, d'ailleurs, ne savaient plus trop est-ce qu'ils étaient allemands ou polonais, comme c'est souvent le cas dans ça. Et ensuite aussi parce que, étant donné l'importance de Varsovie, et Lodz est à un peu plus d'une centaine de kilomètres seulement. Donc, l'effront a avancé très rapidement avant de s'arrêter sur Varsovie, surtout avec l'insurrection de Varsovie. Donc, la ville est restée relativement épargnée et il y avait relativement beaucoup de logements. Et évidemment, l'un des paradoxes tragiques de cette guerre, c'est qu'on aurait fait aux Allemands ce que les Allemands ont fait aux autres. Donc, les Allemands ont été expulsés et il y avait des logements vides après les départs des Allemands. Donc, les rapatriés de l'Est, évidemment, très souvent s'installaient là où il y avait des endroits pour loger. Et donc, c'est comme ça. Les gens descendaient du train parce qu'on disait qu'il est possible de se loger. C'est comme ça qu'on est resté à Lodz, où j'ai vécu pratiquement toute la période de ma vie en Pologne jusqu'à mon départ en Afrique. J'ai fait l'école, l'université. Jusqu'au début du secondaire, nous habitions un tout petit quartier un peu en dehors de la ville qu'on appelait Petit Berlin, Berlinek, parce que c'était une sorte de colonie construite pendant la guerre pour les Allemands, donc qui était vidée. Évidemment, on vivait dans des appartements partagés. On était, je pense, trois familles dans un appartement, en tout cas deux certainement. Je sais qu'on avait une cuisine partagée, qu'on avait une chambre, une salle de bain partagée, mais ça, c'était des conditions dans lesquelles, évidemment, dans cette partie de l'Europe, les gens ont vécu pendant des années et des années, puisque la destruction du parc immobilier était telle. Construisait lentement si on construisait. Donc, finalement, mes parents ont eu un appartement de deux chambres quand je suis entré au secondaire. Et ça coïncidait avec l'arrivée de la télévision. C'est-à-dire, mon père a acheté un appareil de télévision. En ce moment-là, ce n'était pas un événement particulier, mais quand même, parce que ça, je m'en souviens. Vous voyez, je ne me souviens pas de beaucoup d'autres choses. Donc, ma mère, d'une certaine manière, au début, c'était surtout elle qui assurait la survie de la famille, parce que des infirmières, on
en avait toujours besoin, surtout après la guerre où les infirmières diplômées comme elle était fonctionnaient pratiquement comme médecins, puisqu'il restait très peu de médecins après la guerre. Comme vous savez, et les Allemands et les Soviétiques supprimaient systématiquement l'intelligentsia. C'était un programme pendant la guerre de deux côtés. Et donc, de ceux qui ont survécu, il y en avait très peu. Donc forcément, évidemment, les compétences manquaient. Petite parenthèse, ma mère a retrouvé le médecin avec qui elle a travaillé avant la guerre. Elle a recommencé à travailler, j'en parle, parce que c'était en même temps la cause de son décès très tôt, en 63. Parce qu'avant la guerre, elle travaillait avec lui dans un programme expérimental d'utilisation de la radiation, du radium pour soigner certaines maladies dermatologiques. Et donc, elle a repris ça après. Évidemment, elle est morte de leucémie très tôt. À l'époque, il n'y avait aucune protection. On ignorait tout. Vous savez, dans la fin des années 30, on vendait en Europe partout une sorte de pommade qui luisait la nuit. C'était des pommades avec du radium que les femmes utilisaient pour paraître intéressantes la nuit, donc. Évidemment, on ignorait à peu près tout des effets de la radiation. Donc, voilà un détail familial. Maintenant, un autre élément certainement important pour ma vie, même si ça s'est terminé un peu en coup de poisson, c'est que à Lodz, peu après la guerre, on a créé l'École supérieure du cinéma. Ces fameuses écoles dont sont sortis les Vaïda et tous les autres. Et donc, mon père, qui, comme beaucoup, a dû abandonner ses intérêts orientalistes parce que c'était politiquement très mal vu et on risquait de visiter l'extrême-est de la Russie si on s'entêtait, il s'est converti en histoire du cinéma. Et donc, il est devenu professeur d'histoire à cette école. Il a fait sa thèse sur l'histoire du cinéma, etc. Et donc, d'une certaine manière, j'ai vécu un peu à l'ombre de cette école. Et forcément, à l'ombre du cinéma, c'est-à-dire essentiellement du cinéma polonais. Mais puisque à l'école, on permettait des projections fermées pour les étudiants des films occidentaux qu'on ne voyait pas autrement sur les écrans publics. Donc, quand je suis devenu adolescent, mais des fois, je pouvais aller avec lui. Il s'est regardé également des films qui n'étaient pas du tout accessibles au grand public. Et c'est... je ne peux pas vous dire à quel moment, parce que quand j'étais à l'école... au secondaire, j'avais des intérêts beaucoup plus pour les sciences. J'avais un petit labo, avec énormément de guillemets, avec ce qu'on pouvait, mais j'avais une sorte de petit labo de chimie, et je me jouais avec ça. Je ne sais vraiment pas, mais un jour, je me suis dit, j'aimerais bien entrer à l'école, devenir metteur en scène. Donc, je faisais beaucoup de photos, c'était la photographie évidemment qu'on a totalement oubliée aujourd'hui. Donc dans l'appartement qu'on avait, on avait une petite salle de bain séparée et la nuit je fermais la salle de bain, j'installais mon labo, je développais, j'agrandissais, c'était tout le plaisir d'une certaine manière de voir surgir des images qu'on a plus aujourd'hui de la même manière avec les numériques. Donc, je faisais beaucoup de ça, je m'intéressais à un tas de choses, et comme je dis, je décidais finalement, à cette époque, parce que ça variait, il y avait des périodes où l'école acceptait des gens après le secondaire, il y avait des époques où il fallait avoir un diplôme universitaire pour entrer à l'époque, donc au moment où moi je me suis décidé d'y aller, il fallait au moins entamer les études universitaires.
J'ai choisi l'ethnographie, je dirais essentiellement pour une sorte de raisons opportunistes, c'est-à-dire on pouvait y faire de la photo et du cinéma. Donc, ça m'intéressait. C'est aussi paradoxal, évidemment, pour notre système. On avait un programme d'ethnographie contingenté où on acceptait 5 étudiants par année. Point. Avec, on avait, assistants y compris, certainement, autant du personnel enseignant qu'on avait sur 5 années, parce qu'en Pologne, c'est des programmes de 5 années avec la maîtrise à la fin. Il n'y avait pas de diplôme après 3 ans. On allait tout le programme en sciences sociales et humaines, étaient des programmes de 5 ans, se terminant par une maîtrise. Donc, c'est comme ça que je suis devenu ethnographe. Faut le souligner parce qu'évidemment, à l'époque, l'anthropologie n'existait pas dans le pays de l'ensemble des blocs de l'Est. C'était une science bourgeoise, donc condamnée. Par contre, l'ethnographie s'occupait du peuple, des objets populaires, etc. Donc l'ethnographie était bien vue, et avec la conséquence théorique évidente, c'est que notre formation théorique s'arrêtait au diffusionnisme allemand. Il y avait l'évolutionnisme, diffusionnisme, plus rien après. Je me souviens, un peu plus tard, en deuxième ou troisième année, avoir commencé à lire Malinowski sous le manteau, parce que Malinowski était aussi un renégat bourgeois. Et donc, il y avait tout ce qu'on avait, c'était quelques éditions d'avant la guerre qui ont survécu à la guerre, mais il n'y avait rien d'autre. Donc, en réalité, ce qu'on appelait ethnographie était une sorte d'histoire de la culture matérielle. Pendant mes études, déjà, ça a été étendu aux villes, mais quand j'ai commencé, c'était vraiment la campagne. Ensuite, on a cette grande nouveauté, ce qu'on a dit, mais en fait, on peut faire aussi l'ethnographie des milieux ouvriers, bon, qui évidemment correspondait aussi à l'idéologie du régime. Donc, ça s'est développé. Et donc, quand j'étais, si je ne me trompe pas, en troisième année, j'ai passé le concours, parce qu'en Pologne d'ailleurs, partout pour les études supérieures, il fallait passer le concours. Il n'y avait pas d'admission. Un autre paradoxe du régime à la fois extrêmement populaire et populiste, mais où l'accès aux études supérieures était l'accès sur concours. Donc j'ai passé le concours pour l'école de cinéma. Et pendant une année, j'ai fait en parallèle les deux, parce que heureusement, j'avais assez de bon sens pour me dire, si je lâche l'ethnographie, recommencer en Pologne une fois qu'on a interrompu les études, comme c'était considéré que c'est le peuple et l'État qui payent pour les études, il ne faut pas de gaspillage, il n'y a pas, donc il n'y avait pas de fantaisie, de changement de faculté, direction, comme on laisse, ça c'était totalement hors question, donc j'ai gardé mon ethnographie, j'ai fait les deux pendant un an. Et cette année m'a suffi pour réaliser que je n'ai vraiment pas le talent. Ou peut-être que je n'avais pas assez de détermination pour essayer de survivre et de percer dans un milieu, c'est-à-dire, c'était autre chose, je regardais en venant de temps en temps à l'école de l'extérieur, et autre chose de voir de l'intérieur. C'était l'année où Polański faisait son film de diplôme, Couteau dans l'eau. C'était donc à la fois, c'était l'une des grandes années de l'école, à la fois de sa célébrité mondiale et quasiment, mais aussi d'une sorte d'effervescence à l'intérieur. Ça devait être aux alentours de 56, donc c'était aussi les premiers bouleversements politiques, la première ouverture. Enfin, bref,
je me suis dit, après la première année, vraiment, j'ai être un mauvais artiste, c'est un drame, parce que je pense qu'on n'accepte jamais le fait qu'on soit mauvais ou quelconque quand on se veut artiste, et on ne peut pas être juste un artisan. Il faut la flamme, il faut les talents, ou il faut au moins croire qu'on a un talent. Puisque je n'étais pas convaincu de mon talent, ben, j'ai limité alors ma formation à l'ethnographie, où par contre, je me suis encore plus investi dans les cinémas, comme on était des tout petits groupes. C'était beaucoup plus facile, et donc j'ai réussi, pour ma maîtrise, à convaincre les petits départements de pouvoir faire ma maîtrise moitié film, moitié texte. Les sujets étaient d'une platitude, vous ne pouvez pas imaginer, c'était les transports par traînage dans les Carpates polonaises. Ça avait son intérêt ethnographique dans ce sens qu'effectivement, dans les Carpates, jusqu'aux années 60, quand j'ai fait, même peut-être 70, mais quand j'ai fait ma maîtrise encore, on utilisait également les traîneaux l'été pour descendre, ce qui était d'une certaine manière logique, parce qu'évidemment, pour descendre les pentes très fortes, mais d'une certaine manière, les traîneaux étaient plus sécuritaires que les chars sur roues, et évidemment, beaucoup l'hiver. Mais pour moi, c'était l'occasion de filmer. C'est quand même une activité en mouvement constant et dans un paysage magnifique. Donc, c'est comme ça que j'ai fait mon film 16 mm. Et évidemment, à l'époque, aujourd'hui, on ne s'en souvient plus, moi je m'en souviens encore, sur un bras, une batterie, une grosse batterie avec liquide. Donc je me suis brûlé plusieurs paires de pantalons parce que quand je courais, l'acide sulfurique débordait et quand ça coulait sur le vêtement, ça faisait des trous. La caméra pesait beaucoup plus que ce qu'on a aujourd'hui, mais bon, c'était tout le plaisir. D'une certaine manière, j'avais à la fois les films et, ce qui m'intéressait d'ailleurs de plus en plus, l'ethnographie. Et donc, c'est comme ça que j'ai fait ma maîtrise. Et en ce moment-là, je me suis dit, faire de l'histoire de la culture matérielle, autant de faire ça, de poursuivre ça en histoire qu'en ethnographie. D'autant plus que les départements d'histoire étaient évidemment très grands. Il y avait aussi plus de possibilités d'avoir un poste en ethnographie avec le nombre d'étudiants qu'on avait, relativement jeunes. La possibilité de poste était quasiment nulle. Donc, c'est comme ça que j'ai migré, mais dans la même université, dans la même ville, vers l'histoire. Dans les systèmes polonais, les travaux pratiques, etc., une partie du séminaire était assurée par ce qu'on appelait les assistants. Donc, les gens qui n'avaient pas de doctorat et qui travaillaient comme assistants, professeurs. C'est encore le système extrêmement féodal. Les assistants servaient à tout et accidentellement aussi, de temps en temps, à faire des travaux pratiques. Mais c'était des serviteurs du maître. Et donc, j'étais engagé en histoire, j'ai fait ma thèse de doctorat sur un sujet aussi plat, c'est-à-dire sur l'extension, sur les transports dans l'économie rurale pendant la période féodale. Mais en Pologne, la période féodale s'arrête en 1863, c'est-à-dire au moment de la suppression du servage. Donc, c'était une très, très longue période, allant de l'archéologie à l'histoire. Et donc, voilà, puisque
cool. Je me souviens très bien parce que ça a été l'un des éléments des désenchantements pour la carrière intellectuelle universitaire en Pologne. Mon promoteur, qui était donc mon chef, mon prof, donc j'étais assistant, en même temps, il m'a dit un jour, quand je travaillais sur la thèse, et c'était un homme extrêmement bienveillant, donc je ne peux absolument pas dire qu'il y avait là quoi que ce soit caché, m'a dit, écoutez, vous faites une thèse de doctorat. Une thèse de doctorat, c'est l'addition des informations que vous trouvez dans les archives, etc. Après ça, vous pourriez peut-être commencer à penser et à interpréter. Mais pour le moment, il n'y a pas de place pour ça. Et si vous voulez soutenir la thèse, c'est le factuel, 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 factuel et rien d'autre. Donc vous imaginez la platitude. Évidemment, en même temps, c'était aussi quelque chose qui était politiquement safe. Lui-même, d'ailleurs, un peu comme mon père, avant la guerre, voulait devenir orientaliste. Après la guerre, il est devenu l'historien de la paysannerie polonaise parce que politiquement, c'était l'un des domaines les plus sécuritaires. C'est d'ailleurs pour ça que la Pologne est devenue en Europe une sorte de grand laboratoire d'histoire de la culture matérielle. Parce que, exactement, en culture matérielle, on pouvait de temps en temps glisser une citation rituelle, Marx, Engels, Staline, qui n'avait rien à voir avec. Mais tout le reste, il n'y avait pas d'interprétation. Donc, politiquement, c'était safe. On pouvait continuer à travailler sans risque d'avoir des problèmes. Donc, voilà, d'une certaine manière, la première étape de ma vie, parce que ensuite, donc après ma thèse de doctorat, j'en avais tellement marre de l'histoire de la pneu que j'ai décidé de faire autre chose et je suis parti en Sibérie pour travailler sur le bouriat. Et j'ai pu le faire, ça sera peut-être la prochaine séquence, parce que mon père, qui était l'historien du cinéma, en même temps a eu une passion, à la limite, danger politique, c'était l'histoire des déportés polonais en Sibérie. Mais évidemment, il y a eu, depuis l'Empire tsariste jusqu'à la fin de l'Union soviétique, plusieurs vagues de déportations. Travailler sur les déportés sous le régime tsariste, c'était acceptable. C'était pas, on pouvait difficilement faire une carrière sur ça, mais on le tolérait. Donc, en marge, il a travaillé sur l'histoire des déportés. Bon, une autre petite parenthèse, il était né en 1910 en Lettonie actuelle, donc encore un peu plus à l'est. Et il est allé à l'école primaire en russe. D'accord. Donc, mon père, avec sa première langue littéraire, si vous voulez, au début, était russe. Donc, son russe était parfait. C'est d'ailleurs pour ça que moi, je parlais couramment parce que mon père m'a forcé à la maison. Parce qu'à l'école, on apprenait le russe, c'était obligatoire. Personne n'apprenait rien, évidemment. Les profs des Russes, c'était des pauvres victimes. Tout ce qu'on leur faisait, le pauvre Jean, je ne sais pas comment ils ont survécu. Mais à la maison, moi, j'étais obligé tous les jours lire à haute voix quelques pages des Russes, ensuite parler avec lui, donc mon russe était aussi correct. Mais je fais cette parenthèse parce que, évidemment, quand il a commencé à travailler sur les déportés, il a établi des contacts avec des historiens soviétiques qui étaient pour l'essentiel d'origine ukrainienne qui vivaient en Sibérie. Et dans les années 60, on pouvait voyager entre la Pologne et l'Union soviétique sur invitation privée. Ça devait passer par les services de sécurité, etc. Mais on pouvait ne pas avoir d'invitation institutionnelle, juste un particulier invité à un autre particulier. Et donc c'est comme ça qu'il y avait des historiens d'Irkoutsk qui sont venus chez nous à la maison. Et quand j'ai
dit que j'en ai marre de l'histoire de la Pologne, l'un de ses collègues de mon père m'a dit, mais qu'il vienne chez nous, il y a le Buryat. Il pourrait travailler sur le Buryat.